Salut Station Fréquence, l'émotion 13 à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Donc on est le vendredi 9 juin 2017 et c'est parti pour le QSO du canal 27. Ok, c'est du 43 de mon côté, les 73 Daniel. Eh bien, ça fait plaisir de t'entendre un peu de ce côté-ci, quoi. Bah, tu sais, René, là, tu passes vraiment très QRP, là, tu es dans le QRM, hein. Tu es vraiment très QRP, tu passes vraiment dans le QRM, ok, René? Ouais. Enregistrer le break, ah bah tu m'étonnes, avec 7 points de QRM chez toi, je peux passer dedans un chi 3 coups. Il y a eu un break, en avant le break. Bonjour, le break égal des stations, 14 Victor Eco 27, 14 OVR 027, opérateur Eric, ce signal, et salut tout le monde pour le QSO national. Les 73 Eric, ah si, j'arrive à passer un petit peu dans le web SDR, là j'aperçois quelques traces. Les 73, les stations là qui sont en stand-by, là on écoute sur le web SDR, la tour de contrôle, les autres stations, les 73. Il y aura du monde en plus, une ou deux personnes ce soir, je sais pas, on verra bien. Une personne sûre, à quelle heure, deux, je sais pas. Retour Eric. Oui, ok, mais 73, oui, j'espère que tu vas bien. Voilà, je salue les autres stations. Je ne sais pas qui est présent, j'arrive juste, donc tu vas me dire ça, oui. Ok, retour sur Daniel. Attention, Daniel Senteur, est-ce que tu arrives à m'entendre? Ouais, il a toujours son foutu QRM de 7, chez lui, c'est pas évident. Oui, lui-même. Je suis derrière les 73 à toi, je fais un peu la salle de la salle de la salle de la salle. Voilà, ok, oui, je suis comme ça, voilà, je suis avec ça, retour. Ok Daniel, tu passes fort ce soir là, impeccable, moi ça me va très très bien, voilà. J'espère que tu vas bien, ouais, mais ok, c'est plaisir de t'entendre. Enregistrez le break. Ok, pour le moment, Pascal, il est pas derrière, il est devant. Hachi 3 coups, il est en train de boire le cappuccino, là, sur la terrasse, là, dehors, là, devant. Voilà, alors le temps que les pipelettes boivent leur café, ce sera bon, Hachi. Le café cognac, oui. Le cognac, je sais même pas si j'en ai au cuir en plus. Ah oui, il y a eu un break, Eric, vas-y, fais le rentrer parce que c'était trop QRP de mon côté. Ok, mais c'est le break en avant. Voilà, station Cabriquet, là, en avant la station. En avant la station Cabriquet. Non, mais je prends la place, du coup, 7751 et tout. Ok, les 73 à toi, Ludovic. Eh bien, tu vas voir Pascal, là, tout à l'heure, quand il aura bu son cappuccino, qu'il aura fini de jouer les pipelettes, là, qui sera en fréquence. Et vu le message sur Facebook, je ne sais pas si on aura une station en plus ou pas. Si on le prend au mot, alors qu'il est hétéro, oui. Ben, sinon, ça aurait été une blagounette. Très bien, très bien. Je suis tombé sur Daniel. Oui, c'est 64,
c'est pareil, là, je, tellement je fais rien, je fais pas de QRM. Je vous mets sur l'accumulateur et tout ça, c'est vraiment, c'est pareil, je, c'est impressionnant, là. J'ai fait ça à 8 points de QRM, là, au QRM familial, et ça vous fait des radios vraiment très QRP, hein, quasiment presque inaudible. Hein. Le seul connaissant que j'entends, c'est Eric, parce que c'est lui le plus près. Mais au courant, là, tout le monde, Rémi, là, et puis Dominique, là, c'est pareil, je te reçois vraiment, bah, très, très, très QRP. Retour de nous. Je t'en fais encore, hein. Ok, tu t'es un petit peu décalé là, Daniel. Là, t'as pas dû le faire exprès, t'es pas encore habité au poste. Oui, parce qu'en plus, Ludovic, Daniel, il a un nouveau poste. Vas-y, questionne-le, cuisine-le un peu. Je vous ai entendu avec Rémi discuter sur WebSDR, là, dans le courant de la journée. Je vous ai écouté un petit peu d'une oreille au bureau, là, pendant que je faisais autre chose. Donc, voilà, voilà, je faisais les grandes oreilles. Sur le WebSDR, là, parce que je trouve qu'il y a ça s'est un petit peu dégradé au niveau réception. Alors, j'ai pas touché grand chose. Comme le disait Rémi, il y a peut-être eu une petite modification de la végétation autour, tout ça. Je suis pas allé voir plus que ça le. Je suis pas allé voir plus que ça l'antenne. Mais bon, de toute façon, vu qu'on a prévu de la remonter un petit coup, ce sera l'occasion de regarder ça. J'ai changé, j'avais remarqué qu'il y avait une sorte de faux contact sur un des câbles, parce que je voyais que ça, quand je titillais un petit peu le petit câble de 6 mm là, qui va du préamplier vers le filtre, j'avais remarqué qu'il y avait des variations au niveau du waterfall, il passait du bleu au noir, tout ça, donc je dis, oh là, il y a un faux contact. Donc j'ai changé ce coaxial là, j'ai fait les essais d'écoute et tout ça, pour moi c'est à peu près équivalent à les conditions d'écoute entre la Mantova et la GP27, là, entre le WebSDR et le poste. Donc je pense que c'est bon. Mais bon, après non, j'ai pas modifié plus que ça. Ok, là, c'est dit ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Moi aussi je l'ai remarqué au niveau réception. C'est pas comme au tout début, tu vois. Il y avait une meilleure réception, je sais pas, on dirait que ça fait comme si on avait une réception, tu sais, moins importante qu'avant, je sais pas, je l'ai remarqué à une station que un petit peu plus loin, tu vois, sur le surcocument, là, je voyais quand je les écoutais avec le web, et puis qu'avant et maintenant, mais je trouvais une grosse différence au niveau de la réception, quoi. C'est pas impossible, de toute façon la végétation pousse, hein, donc voilà, ça peut avoir bougé, effectivement, on regardera ça avec Rémi quand on fera la petite modif là. Sinon, ce que j'ai changé aussi, bah si, ça peut-être bouger ça, j'ai changé l'alimentation du préampli. Alors l'alimentation que j'ai là, c'est une alimentation 12 volts, alors que le préampli c'est très... pardon. Alors que l'alimentation précédente qu'il y avait, c'était du 13,8 V. Donc avec un voltage un peu plus haut, il y a des chances que ça joue un petit peu sur le gain d'amplification du préampli. Voilà, j'ai pas regardé comment il était fait, je sais pas s'il y a un régulateur à l'intérieur ou quoi que ce soit, mais ça, voilà, différence de quasiment 2 volts de différence, ça peut avoir touché le gain de l'ampli. Donc c'est peut-être ça aussi que vous avez remarqué. Ok, bon, mais je ne vais pas vous l'apologiser, ça va tourner, vas-y Rémi. Break. Break les stations. Bah, j'ai l'impression qu'il est parti au café, lui aussi. Bon, vas-y, Daniel, à toi. Oui. Ok. Yeah.
J'essaie de voir si j'ai entendu le rayon avec le joueur derrière. Voilà, retour à toi, Ludo. Excusez-moi pour la façon de faire le prénom tout à l'heure. Retour à toi, Ludo. Non, non, il n'y a pas de souci, hein, pas de souci, hein, écoute. Je comprends si tu as 7 points de CRM, je sais ce que c'est, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. J'ai dit CPL dans le quartier pas mal, donc forcément ça aide pas. Ça va un peu mieux parce que j'ai fait ce qu'il fallait au niveau de certains systèmes de filtrage, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein, quand on a beaucoup de QRM CPL comme ça, enfin, je sais pas ce que t'as exactement comme QRM, mais si c'est à ce niveau-là, il y a de grandes chances que ce soit du CPL, surtout en milieu urbain. Enfin, voilà. Je vais faire un petit QRX, parce que j'ai un petit truc à régler là, puis je vous reprends juste après, je fais tourner sur toi, Rémi, si t'es pas au cappuccino. Mike. Oui, le bref, c'est l'avant. Ok, mon cher Eric, hein, comment vas-tu, hein? C'est Pascal, hein, 14ODR 001. Oui, Pascal, 73, j'espère que tu vas bien. Et dis donc, j'attendais ton coup de fil. J'ai dit, ok, là, j'ai dû oublier. Bon, mais c'est pas grave, hein, voilà. J'espère que tu vas bien, je te l'ai la fois, voilà. Je te retourne le micro, puis tu vas tourner par la suite. Ok, ben oui, donc non, mais je t'ai pas oublié, hein, j'étais chercher une clé USB là pour ce qu'on a à faire, et puis le truc c'est que j'ai eu tellement, j'étais vraiment surbooké avec ma fille, et puis aller chercher des meubles et monter et tout ça, que j'ai pas eu le temps d'aller te voir, mais t'inquiète pas, c'est que partie remise, hein. Oui, bon, oui, c'est vrai que bon, j'ai vu qu'il était parti, mon petit Ludo, là, donc j'espère que derrière il y a Daniel, il arrive à me choper, et puis j'envoie les bons 73 à tous ceux qui sont en fréquence, et puis voilà, je repasse la pastille, voilà. Ok, ben oui, ben là donc, cet après-midi, on a encore essayé de finaliser les antennes, donc avec Demdi, là. Donc on a coupé finalement le brin pour pouvoir descendre le TOS pour la Texas 1800 Chrome. Et donc là, donc j'ai 1.1, 1.2, donc c'est parfait. On a été obligé de virer les deux antennes à l'arrière parce que bon, c'était vraiment pas le pied. Et puis pour les deux devant, ben, y a deux fixations qui vont arriver pour modifier, parce qu'en fait les PL n'arrivent pas à passer en dessous la fixation. Donc on est obligé de modifier encore. Voilà, retour. Ah mais je suis là, moi, il n'y a pas de problème. Sauf que pour le moment, quand Pascal a le micro, moi je ne l'ai pas forcément. Ah, je suis trois cons. Ah ben, si vous êtes au même endroit. T'as pas le Roger, pas, j'allais dire le Roger Beep. Non, là-dessus, le Standby Beep, là, qui est derrière. Oh oui, mais c'est ça, des fois ça Beep, des fois...
les armes, ça. Ok, ça dépend comment tu secoues la tête, c'est ça, Eric? T'as tout compris. Ah, chie trois coups. Allez, retour sur le vélo, tu es revenu. Je suis de retour. 73 à toi, Pascal. Voilà, j'espère que ça va. J'entends parler d'antenne, là, une Texas. Là, qu'est-ce qui se passe là? Ça bricole encore des antennes. Je croyais qu'il n'y avait plus de place sur ton push, moi. Voilà. Allez, retour. Salut mon Ludo, ben oui toi, le truc c'est que bon, j'ai viré la Santiago pour mettre une Texas 1800 chrome, voilà, donc oui, il y a encore un peu de place on va dire, il y a encore deux places, faut que je trouve autre chose d'original à mettre dessus, voilà, retour à toi mon petit père. Moi je te propose d'acheter une caravane, comme ça tu pourras mettre sur la caravane plus d'antennes encore, voilà. Ou une remorque, quelque chose comme ça. Bon bah c'est bien, parce que bah, du coup j'aurai peut-être l'occasion de voir ça cet été, voir un peu les pics supplémentaires sur la voiture portée-pique, voilà. Il y a Fredo, il était sur le chat du Messier, hein. Fredo, si tu veux intervenir, vas-y, n'hésite pas, hein. Il dit qu'il a fini avec bébé, donc qu'il était à nous, donc vas-y, hein, Fredo, il n'y a pas de souci, hein. Tu break quand tu veux. Bon, très bien tout ça. Bon, bah, je vois que ça bidouille les antennes, c'est intéressant. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé, Eric, où est-ce que t'en es, toi, de ton côté de tes, que t'as fait tes premières classes? Oui, tout à fait, impeccable, ouais. J'ai passé deux cours déjà, impeccable. Ça se passe très très bien, et puis voilà, donc j'assimile, j'apprends, ça progresse petit à petit, et puis voilà. Ok, je crois que Michel derrière, j'ai cru entendre. Retour à toi, Michel, avec les bonnes 13-51. Ah, merci les racistes! Parce qu'alors, il y a une équipe de racistes, ils aiment pas les blancs, hein? Faut bien plaisanter. Je bonjour à vous tous. Mais je suis sur la radio, je vous entends tout mieux sur la radio que sur le web SDR. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Et j'ai remarqué qu'il y en avait qui parlaient, qui ne connaissaient pas le web SDR. Je ne sais pas qui c'est qui le disait tout à l'heure, mais il avait raison. Il y en a que deux qui le déclenchent, c'est Lino et Eric. Et les autres, ils sont trop loin. Moi, je m'en fous, je vous entends en direct sur la radio. Allez, retour à Rémi. Ok, les bonsoirs 13-51, Michel. Et il y a Pascal, justement, 14-ODA-001, qui est à côté de moi, là, à la station. Je retourne le micro à Pascal, qui est à côté de moi. Bonjour, mon petit Michel. Les bons 73 à toi, ça fait plaisir de t'entendre. Salut, Pascal. Mais je vous entends depuis un moment, hein, mais ils sont tellement ravés, ils voient eux-mêmes faire une cour et un tour de conversation. Ah, ils sont des bons noms, mais... retour à toi, Pascal, et tu fais tourner. Oui, toi, quand on est parti à parler un petit peu des antennes, alors c'est vrai que bon, on a un peu de mal à lâcher la pastille. Voilà, retour à toi, Ludo. Oui, merci du retour. Moi j'aime bien quand on parle antenne, hein, c'est pas grave, hein. Si on parle sans faire le QSO là-dessus, moi ça me va bien. Justement, on parlait de l'antenne du SDR qui semble avoir quelques soucis, ça marche un petit peu moins bien, donc on va étudier ça. Je fais des essais en changeant l'alimentation, là, comme je disais tout à l'heure, l'alimentation du préampli a changé, le voltage est un peu moins haut, donc ça peut jouer sur le niveau d'amplification. Et vu que le WebSDR la clé USB est quand même très dépendante du préampli, parce qu'elle toute seule, elle fait pas le boulot. Donc ça peut jouer pas mal, effectivement. Bon. Il y a du réglage à faire, toujours, mais bon, c'est comme ça. C'est une station, s'il n'y a jamais de bidouille à faire sur une station, c'est pas drôle, hein. Voilà. Bon, enfin, c'est bien tout ça. C'est bien, Eric, que tes premières sessions, hein, c'est pas mal. J'espère que tu le sens bien, puis bah, si tu le sens pas bien, bah, de toute façon, il faut persévérer, voilà, c'est normal, c'est le début. Voilà. Je sais
antenne là, est-ce que c'est juste une antenne que tu montes ou est-ce que c'est tu essaies de faire un montage particulier qui entre en résonance ou un truc comme ça? Oui, alors c'est une antenne fabrication OM de marque Président. Voilà, non mais c'est Rémi qui est en train de me souffler des conneries. Le truc c'est que alors pour les nouvelles antennes là avec j'attends là, c'est une antenne satellite. Une antenne satellite pour pouvoir avoir l'ordinateur de connecter dans la voiture. Voilà, ça c'est les projets que j'ai. Et puis une autre antenne UHF-VHF pour la voiture. Alors ça, je suis en train de regarder ça les côtes pour la mettre sur l'avant, pour la mettre sur l'avant de la galerie. Voilà, donc il y a encore deux places. Il y a encore deux places, donc on va essayer de faire quelque chose. Alors, je dois dire quand même que j'avais demandé un petit conseil d'un radioamateur que je dirais pas l'indicatif, mais quand je lui ai demandé un coup de main, il a refusé. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a énormément d'antennes sur sa voiture aussi. Je lui ai demandé s'il avait eu un souci de réglage d'antenne, de tos et tout ça, et il a refusé il a totalement changé de sujet, il n'a pas voulu me répondre. Voilà. Donc du coup on se débrouille tout seul. Voilà. Ah ben c'est un peu dommage, mais bon bah voilà, c'est comme ça, faut faire avec, il faut le temps. Enfin, l'essentiel c'est que tu arrives à t'en débrouiller quand même, c'est cool. Si tu arrives à avoir une communication qui marche, puis bon, moi ça fait l'expérience et toi tu partageras ton expérience, donc c'est cool. Voilà. Allez, je fais tourner sur Rémi. Rémi, il est en train de faire la vaisselle. Et de très bien, qui continue. Ah ok, ben, je pense que je vais aller faire un petit tour du côté de Libourne. Mais en fait, de notre côté, il y en a un qui monte jusqu'à un signal de 3-4 là, du côté de Libourne, qui est en train de faire des porteuses. Alors donc, du coup, ça coupe un petit peu ce que Daniel disait derrière. Ok mon Daniel, bah oui, alors tu vois, finalement hein, on a coupé le brin du haut de l'antenne, hein, tu vois, pour abaisser le tos. Hein. On a essayé de bouger, si tu veux, le tripode du milieu jusque vers l'arrière. Et le tos descendait considérablement en le mettant vraiment à l'arrière. Et on a coupé à peu près 3 cm, hein, je pense. 3 cm à peu près. Du brin pour baisser le tos. Ensuite on a pris en photo les selfs pour voir la différence qu'il y a entre une Santiago et puis la 1800. Donc bon, on mettra ça tout à l'heure sur le dans le week-end. Dans le week-end, dans le week-end, voilà Rémi, la photo comme ça pour se rendre compte. Il y a quand même un sacré écart. Voilà. Retour, Daniel. Ah, Eric, si tu peux reprendre, parce que Daniel, apparemment, il va peut-être pas. Il vient pas Roger là. Ok, je vous remercie pour le retour du micro. Pascal, j'en profite pour saluer Michel pour le contrôle. Voilà, donc
Oui, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien, voilà. Je te retourne le micro, Michel. Oui, merci pour le retour. Tu peux dire à tous tes copains qu'ils se trouvent, ils m'entendent pas. Moi, j'entends tout le monde, hein. Il n'y a pas de problème, ça passe très très bien. Sur le Blaise, les bons chiffres et tout. Allez, retour à toi, Eric, et tu fais tourner. Ok, il n'y a pas de souci. De moi, c'est pareil. De mon côté, ce soir, nickel. J'entends bien tout le monde. Donc, je vais retourner sur... Rémi, s'il est revenu, ou alors s'il a, il est toujours à la vaisselle. Rémi, s'il est à toi. Putain, mais il y en a qui balancent tout et n'importe quoi. Ah, je suis trois coups. Ouais, je suis là. Et oui, pendant que j'y pense, petit rappel, le 29 juillet prochain, il y a le salon de Marraine. Hey Eric, est-ce que t'as entendu d'autres personnes là, qui allaient y venir? Eh bien, écoute, normalement, si Lilo est toujours opérationnel, moi je serai en sa compagnie déjà, donc il n'y a pas de souci. Et puis après, je ne sais pas, parce qu'on avait parlé aussi qu'il y avait peut-être Fredo, je ne sais pas plus, donc je ne sais pas, je retourne à Lilo, vas-y, à toi Lilo. Bien sûr, je suis toujours de la partie. Il n'y a pas de problème, ça n'a pas changé. On s'est arrangé en termes d'organisation, parce que ça commence à devenir un peu raide l'organisation des vacances. Là. Parce que, bon, il y a un petit bonhomme qui va se balader à droite à gauche et tout ça, donc il faut jongler un peu dans tout ça. Et donc, il n'y a pas de soucis. Pour l'instant, c'est feu vert. On fonce à Marraine et on se prend bien du plaisir, voilà. Ok, c'est sûr, surtout comme à chaque fois, le midi, ou enfin un peu avant midi, il y a un apéro au stand, en plus de celui qui est offert par les organisateurs, c'est-à-dire le REF 17. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a un anniversaire qui est juste avant, normalement. Je peux reprendre? Vas-y. Alors, je ne sais pas si m'entend, mais la personne qui sur le chat dit que les Bordelais sur le cuisson national, c'est un clan, c'est pas un clan du tout, c'est ouvert à tout le monde à une condition de se signaler et d'avoir les moyens de se signaler. Alors, ce n'est pas un clan comme contrairement à ce que vous dites. Allez, retour à toi, Rémi. Ok, je vois qui c'est, je suis un peu étonné. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. non, pas du tout. Hein. Il suffit que déjà, d'un premier temps, le QSO du canal 27 est à la charge de chaque région. Le but est de dynamiser les QSO locaux, à la différence des QSO DX qui marchent très bien, surtout en ce moment. Maintenant, si on a l'opportunité de faire d'autres régions, là, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, la porte est ouverte à toutes les régions. Mais la priorité avant tout reste quand même effectivement au niveau de chacune des régions. Donc, les stations compas de QSO de leur côté, allez-y, n'hésitez pas, lancez-le de votre côté, il n'y a pas de problème, au contraire. Pascal, est-ce que tu es en place? Ok, ben là, impeccable, hein, bon. C'est vrai que pour en venir au petit Ludo, c'est vrai que t'as tout dit. En fait, c'est tout à fait ça, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait le baptiser Cuisseau de Aquitaine, peut-être plus pour notre région, que de faire national, tout ça, parce que bon, c'est vrai que malgré tout, c'est quand même du lot, on va dire, un peu local, et donc peut-être qu'il faudrait voir ça pour éviter des petits malentendus, hein, je pense. Hein. Retour à toi, Ludo. Ok, Daniel, il t'a pas entendu. Oui, parce que celui-là,
c'est inaudible, hein. C'est quasiment inaudible. J'ai beau écouter, tendre l'oreille doucement, tendre l'oreille, essayer d'écouter, mais il n'y a rien qui veut, à part Ludo et Eric que j'entends, c'est tout, hein. Voilà, rien. Si c'était à moi que tu allais te retourner, écoute, je te fais retourner le micro pour voir si tu as meilleure QSL que moi. Ok, justement, il y a Pascal qui avait repris le micro. Apparemment, tu l'as pas entendu. Là où il est perché, pourtant, ça doit passer. Hachi, retour sur Pascal. Ok, alors, il n'y a personne derrière. Ok, oui, donc, je disais, Daniel, moi, j'arrive à te choper, hein, Daniel. Hein. Moi, tu m'arrives avec un signal de 3, mais une radio 3, 2, ça varie, hein, mais... sinon j'arrive à te choper. Ouais, attendez, il y a un break, une petite seconde. Ouais, j'ai entendu 14 Echo Delta, Nord de France. La station, si tu me copies, vas-y, c'est à toi. QSL le rang 73-51 de tous les gens qui sont reçus au QSO national, voilà, je parle au nom de tout le monde. 14 Echo Delta 056, hein, si j'ai bien compris, donc tu es en mobile sur l'autoroute entre Valenciennes et je sais plus quelle ville. Voilà, voilà, je te retourne le micro, puis après on va faire tourner, voir si les autres stations te copient, juste pour que tu me confirmes que ton QRZ c'est bien Echo Delta 056, retour. Super, 0,70, c'est noté, moi de mon côté c'est un signal de 3, une radio difficile parce qu'il y a un peu de QRM, je dirais une radio de 3, mais bon ça va, ça passe. Hein. Je fais le retour à Eric, voir s'il te copie, qui est pas très loin de moi à toi Eric. Oui, 73-51, Laurent, mon vieux, mais oui, ça passe très très bien, hein. Je vois ça très bien, il n'y a pas de problème. C'est plaisir à entendre du monde, voilà. Je vous retourne le micro, je vous envoie les merci, enfin, retour Laurent. Ah ben moi c'est pas compliqué, je l'ai pas du tout entendu, quoi. Je suis trois coups, et s'il m'entend, les 213-51 lui. Ah, quand j'ai relâché, j'ai vu quelqu'un qui parlait derrière, oui. Non, attends, c'est Michel qui est en directive, il y a lui qui vient d'arriver, 73 à toi, Lucie, lui, à toi. J'entends parler derrière, mais je crois que c'est de la propag. Parce que là, de mon côté, là, j'ai de la propag en FM, j'ai maintenant de la propag là, en BLU. Bon, c'est un petit peu animé, là. Hachi. Ah oui, j'entends quelqu'un parler derrière.
Il y a Daniel aussi, Daniel Santor qui t'aille d'autre. Ouais, salut Ludovic, je t'entends pas, hein. J'entends ni Rémi, ni Pascal. Le seul que j'entends, c'est Eric et puis un peu Ludo. Hein. C'est les deux que j'entends qui passent la voie au-dessus de la QRL. C'est pareil pour moi. Rien, je m'entends pas du tout. Hein. Mais bon, je sais pas toi encore. Hein, j'ai 7 à 8 points de QRM là et je te dis pas c'est pas folle, c'est vraiment très clair, très dur de faire de la radio. Voilà, et tout en regard de ton situation celle. Oh la vache, oui. Ouais, liquider que demain il sera de chez, pas loin de chez toi, Daniel, à Elville, au domaine du Pensan. Ok, il est au domaine du Pensan non, mais là, il y a un problème, parce que je le relentends, au domaine du Pensan, c'est quand même le plus fort que toi, Eric, et je l'entends à peine, Rémi, je décode ce qu'il dit, mais là, sans rien, je ne même pas la peine, j'entends rien. Non, c'est demain qui sera sur Isil, il a une brocante au domaine du Pensan. Ah, ok, pardon, excusez-moi Eric, excusez-moi Florian. Ok, j'ai pas compris ça. D'accord, ok, j'ai essayé qu'il y était là, parce que j'ai dit, il y a problème là. Parce que s'il était au domaine du Pensan ce soir et que je n'entendais pas, là, j'ai dit, là il y avait sérieux problème. Ok, pour demain, oui, d'accord, ok, demain, je ne serai pas là. Je suis dans la Médoc, là, donc j'ai des travaux là, à faire dans la Médoc. Donc je serai pas sur Bordeaux demain, hein. Voilà. Ok, pour ça, Florian. Oui, ben là, je ne sais pas qui, mais comme je te disais, là, c'est vraiment le coup. Voilà. De toute façon, moi, si ça continue comme ça, enfin, sur ce soir, là, je pense que je vous salue à tous, là, et puis je vais passer RT, là, parce que c'est vraiment pas possible de faire la radio, là. 8 points de QRM, là, j'entends que le souffle. Oh la vache! Rémi, à part Ludo et toi, Eric, que j'entends, tout le reste, là, c'est vraiment inaudible. Voilà, alors sur ce, tant que je tiens le micro, j'écoute, de toute façon, je vais passer RT, là. Je vous salue, bonne continuation à tous, bonsoir, bon frère, et bisous aux îles Raquel, 88 à toutes, c'est qu'elle envoie des ondes, si elle est derrière, ça vient. Ok, voilà, mais oui, non, parce que là, moi, c'est quasiment impossible de faire de la radio dans des conditions comme ça, là. La propagation est faite là, mais je fais l'erreur d'acheter cette antenne. Voilà, je vais rester une autre antenne là parce que finalement, c'est pas l'antenne qui me convient pour le QTH. Voilà, allez, Eric, je te fais retour de micro, tu fais tourner sur tout le monde, là je ne peux pas faire hein. Faisons à tous. Ok, pas de soucis, donc je ne sais pas si tout le monde t'a entendu, mais il nous salue, il passe en QRT, voilà, donc problème de QRM, voilà. Je vais faire retour micro sur Pascal, et moi je fais juste un petit QRX de 5 minutes, je reviens. Allez, retour à toi Pascal. Ok, bah merci, c'est dommage que mon QR, c'est vrai que il y a les QRM, il y a pas mal, moi des fois ça monte 3, 4, c'est vrai que bon, mais malgré tout, j'arrive à entendre tout le monde. Sinon, ben voilà, on va passer quand même le micro à Michel, là, qu'on n'entend plus, là, et puis que, ben, faut pas qu'on l'oublie quand même, hein. Ouais, quand même. Oh, il y a eu un gros break, là. Oui, salutations. Oui, le département 54, les bassins 13-51 à vous, de la part de Dindy 33. Voilà, sur le secteur de Saint-Émilion, question la bataille. Retour de micro sur Pascal, qui est pas très loin du QRA, mais en hauteur. Oui, ça va, Rémi. Ben, ça y est, depuis le temps que je voulais te contacter, j'ai enfin réussi. Putain, ça y est, oui, oh, pardon pour le gros mot. Ok, ben, tu vois, avec la radio, tout est possible. Et en plus, ça tombe bien parce que pour le coup, j'ai continué à filmer, donc là c'est bon, t'es dans la boîte. Ah ben super, c'est que des bonnes nouvelles ça.
entre le 555 et le 27. Et puis en me baladant sur le 27, je me suis rendu compte que je commençais à entendre. Ah oui, ça marche. Et puis apparemment, tu as une oreille sur le web SDR puisqu'il y a un écho derrière. Retour de micro sur Pascal pour voir si lui, il arrive à passer de ton côté. Ok, bah, moi je te reçois. Hein. Là, moi, de mon côté, hein, bah, c'est à 57. Hein, c'est pas mal. Hein. Je t'envoie les bons 73. Hein, puis c'est avec plaisir de t'avoir avec nous sur le QSO. Hein, voilà, retour à toi. Je suis obligé de passer en parallèle sur le web SDR pour pouvoir vous entendre. Donc, mais ça marche bien là. Hein. Ok, retourne le micro sur Eric. Ah ben non, il a dit qu'il passait en QRX. Ludovic. Ouais, je crois que c'est tombé d'un coup, hein, mais bon, au cas où, les bonnes 13-51, j'ai pas entendu qui c'était, mais Rémi, t'as l'air de savoir qui c'est, donc tu feras le. Faire un retour voilà, sur qui c'était. Et puis bah comme quoi il y a du monde hein, finalement c'est la QSO nationale ce soir, Il y en a eu deux stations qui n'ont pas du coin, qui sont plutôt éloignées, donc bah, là, ça fait plaisir, voilà, bah, comme quoi c'est la preuve de ce que je disais tout à l'heure, on laisse rentrer tout le monde, tous ceux qui veulent. Voilà, et ben je te fais retour Rémi, parce que je sais pas qui c'est, donc voilà. Ouais, enregistrer le break qui m'arrivait à Santiago, un derrière. Et. Oh putain, mais c'est pas vrai, quoi. Oh, zut, Pascal, au secours. Ok, oui, donc, moi, je crois, donc, bon, s'il arrive quand même à m'avoir, bah, avec le. Je sais pas. Hein, bah, voilà, merci Ludo. Voilà, donc, au passage, et, oui, c'est vrai que moi, j'avais déjà entendu, mais pas pu avoir le. J'arrivais à l'entendre. Voilà, donc retour à toi, ouais, si tu arrives à me sortir. Et puis bon, bah, je te renouvelle les bons chiffres. Voilà, retour à toi. Ok, merci pour le retour. Bon, ben, bah, ça passe, hein, c'est du 56. Et là, je vais aller une canale, bah, c'est le retour, hein, à peu près. Ok, je suis remonté de personne. Non, apparemment non. Il y a Fredo qui viendra nous rejoindre tout à l'heure là sur le QSO. Ok, mais j'entends une nouvelle station qui s'est manifestée derrière, non? Oui, affirmatif, le nord de France, le département 57, si j'ai zappé l'indicatif, j'ai zappé le prénom, moi. Mais c'est pas possible ça. Pourtant plusieurs fois en message perso sur internet il me disait faudrait qu'on arrive à savoir en fréquence. Et là ça se fait, c'est bon, ça marche. Et couillonnement que j'ai zappé son prénom quoi. Ok, le département 57, 6351, 14, Victor Hugo 27, l'opérateur Eric, le site de Bordeaux, bonjour. Je vais aller à la pêche sur Facebook là pour voir s'il m'a laissé un petit message. Et je vois pour donner des news. Bon, à tout hasard, Pascal, lance un appel du côté de la Charente ou de la Belgique. Enfin bon, tu me suis là, Pascal. Oui, alors donc le truc là, c'est que j'étais en train de regarder justement. Là, parce que c'est vrai que ce matin bah, j'étais du côté de Presse, je sais pas comment on dit, Presse, je suppose. Voilà, c'est vrai que j'en ai entendu deux. Et du coup, c'est vrai que la propague était là, mais trop de propague tue la propague, on va dire. Voilà, là c'est même les QRM qui s'y mêlent, et donc c'est vrai que c'est parfois c'est un petit peu difficile de faire des QSO dans ces conditions, mais malgré tout, ça fait il y a du monde et c'est avec plaisir qu'on les fait rentrer dans le QSO. Voilà, ben retour Ludo. Ouais, merci, je retourne micro. J'ai fait un petit QSO très rapide le week-end dernier avec l'ami charentais.
Il y avait pas mal de un peu de QRM et tout ça, donc on n'a pas réussi à trop bien s'entendre. On a pu échanger quelques mots très très rapidement, mais bon voilà, c'était très court, malheureusement. Donc voilà. Parce que j'étais dans le coin, voilà. Donc, je sais pas s'il va bien, je pense que oui. Mais en tout cas, il était à la radio le week-end dernier, voilà. Je sais pas qui passait le micro, peut-être que Eric est repassé et de retour, il y a le petit Eric de 5 minutes doit être passé, donc je te fais le retour Eric, mais sinon tu Rémi, tu reprends. Ouais, je suis de retour. Ouais, donc juste avant de passer le micro, je vais faire tomber. Pascal, au fait, est-ce qu'il est bien le bar de presse? Ouais, la Belgique, elle écoute. Oh putain, ça y est, la Belgique maintenant. Pascal, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Oui, j'en ai eu deux, mais j'ai pas eu le temps de noter les indicatifs, et du coup, il y en a un qui partait au pro, puis l'autre qui partait enfin bricoler chez lui. Donc, il m'avait indiqué justement un petit le café, un bar de 13 bars, là, d'ailleurs. Et puis, j'ai pas eu le temps de noter son indicatif. Hein. Voilà, retour, Eric. Il y a des breaks de la Belgique derrière qui s'empilent. J'entends pas. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le prénom. C'est Jérôme. Jérôme, là, justement, qui est là-haut dans le nord de la France, là, qu'on a avec nous, là, dans le groupe, là, sur Facebook, là, qui est rentré dans le QSO, le département 57. Voilà. Oui, la station qui a breaké, la Belgique, là, qui est rentré aussi dans le QSO. En avant. Ouais, j'ai une station qui m'est arrivée là, un demi-point là. Donc inaudible de mon côté. Retour sur Pascal, vu où t'es placé, t'as dû l'entendre. Je l'ai entendu au début, puis après le propos est descendu, donc du coup j'entends plus rien de mon côté. Hein.
Ok. Au fait, Daniel, il est parti tout à l'heure. Il mettait en cause son antenne au niveau QRM. Non, c'est pas l'antenne le problème, c'est le quartier le problème. Là, son antenne n'a strictement rien à voir. Hein. Au contraire, il a une bonne antenne. Mais c'est bourré, c'est pourri de QRM là-bas chez lui, quoi. Retour Eric. Alors c'était 14 novembre Alpha 002, département 54, qu'on a eu tout à l'heure, et non pas département okay, 57. Les bonnes 151, 14 ODR 860, Ludovic, si tu peux nous revenir avec ton indicatif et ton prénom d'opérateur, ici c'est la station de Gironde, là, ouais, le département 33, retour. Ça appelle derrière.